Guézio, tu trouves pas ça bizarre ce que vient dire l'avocate là? Des caméras au camp des Arthuristes? Il y en a des caméras là-bas? Aucune idée. Pourquoi pas, Je sais pas si toi t'es prêt à prendre le risque de te prendre des balles en allant là-bas. Mais j'ai bien envie d'aller voir moi. quelqu'un qui doit se prendre des balles, ça sera lui. Oui. Merde, par contre, je vais pas prendre le volant. Ouais, je vais même juste me changer. Et, par contre, est-ce que tu préfères pas qu'on y aille au vignes avec le véhicule de l'entreprise familiale? Ouais, ok. Viens, viens. Va aller ranger voiture. Ouf, mais là, au niveau de l'hôtel, au pire. Viens. What the fuck? Pourquoi l'interphone n'a pas fonctionné à deux? The fuck? Il commence à déconner le l'interphone. Prends tes armes de service dans le bureau au cas où qu'on doit y aller au camp des Arthuristes. Enfin, dans ton bureau. En fait, je sais pas quoi mettre. Moi non plus. Qu'après, dans le désert, c'est vrai qu'il va faire un peu chaud. Ouf, ça, tu la connais pas, cette tenue. Je sais pas comment tu la trouves, la tenue là. J'avais envie un peu de changer, mettre un peu de couleur, tu vois. Eh bien. T'as pris tes armes du coup?
J'y vais. N'en profite pas trop, toi. Hein. Je te vois, hein. Bon, après ça, c'est toi qui me regarde comme ça, c'est tant que c'est pas un autre, ça. Bon, en même temps, je crois qu'il y en a un qui me regarderait comme tu me regardes, je crois que. Je crois qu'il serait peut-être plus là, je crois. attends, faut qu'on puisse rechercher le véhicule, enfin le 4x4, comme ça on sera mieux. Bah après moi je vais pas souvent au camp des artruistes. Non, non plus. Au moins qu'elle avait une GoPro sur elle aussi, mais pff, ça serait chelou quoi. Parce que j'ai pas. Une GoPro, Parce que j'ai pas vu d'article ou The News. Ouais, parce que moi, pour moi, une GoPro, c'est forcément quand il y a au moins des journalistes qui les suivent, quoi. Je sais pas. Enfin, moi, c'est. Ouais. J'essaie de réfléchir, mais je pense qu'elle a dû faire une vidéo truquée ou un truc dans le genre. Mais il faudrait quand même qu'on vérifie s'il n'y a pas de caméra au niveau du. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'il faudrait qu'on vérifie s'il n'y a pas de caméra du côté des camps des artistes. Moi j'appelle pas ça le camp des artruistes, j'appelle ça le camp des nus. Ou les camps des à poil aussi. Tu veux oublier la compteur. What? Il est taré. Franchement, ça me trotte la tête quand même, les trucs, des histoires de vidéos. Oh, cute, toi. Merci. Ils sont vous savez ma voiture? Ils sont pressés. Ouais. Voilà, ta voiture elle est toute rayée maintenant. Possible. Ouais, tu vas où là? Plutôt je manquais la sortie.
Bon, tu veux conduire le 4x4 ou tu... Parce que t'en as au lit, dans les Non, non, vignes. ça me dérange. Dans les vignes, elle va pas te... peut-être pas trop apprécier. Déjà qu'elle aime... elle va pas apprécier les rayures. Attends, je prends le véhicule. Ça va, y a pas trop de, y a pas vraiment de rayures. Bon, moi j'ai... Qu'est-ce que fout ma voiture ici? Attends, qu'est-ce que fout ma voiture personnelle de... Enfin, personnelle, pas l'entreprise, dans le garage ici? C'est bizarre. Attends. Y a pas de voiture de garée pour une fois. Et lui, je sais pas ce qu'il fout à garer là, le pharmacie. Hein. Ah, ça l'apprendra de garer son véhicule comme il n'y a pas. Ah, attends. Il y a le H, mais pas il y a une casse à l'arrière. Voilà, je t'ai mis les clés dessus. Ok, ouais. Vu que je sais que t'aimes bien les 4x4. Bah, c'est vrai que celui-là, ce véhicule, on se sent un petit peu haut et un peu puissant quand même, hein, quand on conduit. Par contre, des fois, J'aime bien les big. fais gaffe parce que, non, parce que des fois, il glisse un peu, des fois, par endroits. J'ai donné rendez-vous à Victoria au Vigne du coup. Je sais pas si elle va venir parce qu'elle a même pas répondu. T'es sérieux, toi? Ouais, on ferait mieux de repartir parce qu'on est dans les quartiers chauds aussi. Attends, qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce que t'as, toi? Viens là! Oui, un instant. Viens là! Tiens! Tiens! Et tiens! Et tiens! Putain! T'as rien vu? Attends, t'inquiète. Je m'occupe de ces corrompus. I take it this isn't a social call. So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Bon, je crois que on n'est pas prêt de le revoir celui qui a voulu te frapper. Phil, t'es là? Oui, désolé, voilà. Ok.
Je trouve ça bizarre qu'ils répondent pas là. Il est peut-être occupé ou... Ouais, mais c'est bizarre. Attends. Attends, je vais essayer de l'appeler pour moi. Ok. Allô? Ah bah oui, c'est Victor Hamilton Scott, là. Ouais, il se passe quoi? Pourquoi tu réponds plus d'un coup là? Allô? Oui. Pourquoi t'as pas répondu en dernier message du coup? Parce que du coup j'ai rien savoir où tu es du coup parce que. Bah, je suis vigne. Enfin, moi, tu m'as dit, bah, enfin, vigne, moi, je pensais que tu étais déjà. Non, je dis on arrive parce que du coup on a été prendre le véhicule de l'entreprise du coup. Parce que c'est quand même un peu mieux pour récolter les vignes. Et là on arrive. Ok, bah vas-y. Ok. Oh, faut que je souffre. Ouais mais essentiellement tu peux pas un peu plus accélérer parce que du coup. Ouais, faut que je m'habitue au frein aussi. Ouais non mais enfin. Après, les feux, tu fais comme si c'était juste des stops parce que voilà quoi. Ah, bien sûr, je regarde sur les côtés. Parce qu'elle est déjà arrivée en fait en ville. Ah, d'accord. Et là, non, attends, je regarde le GPS. 4 km. Non, de toute façon, on est plus très loin. Faudrait que je change le truc de l'entreprise. Il date de plus d'un an le machin là. Il commence à vieillir un peu. Ouais. Il y a encore pas mal, hein. Ah bah c'est surtout que ça représente une station essence et le vin. Donc. Je crois qu'il me semble que si tu vas tout droit, je crois qu'il y a un petit chemin de terre, tu vas pouvoir passer dessus et après sur. Non, À continue tout droit. gauche. Non, continue tout droit. Ah, ok. Je crois que quand tu vas arriver au bout de la route, tu sais, t'as un petit chemin de terre avant la route en fait. Avant la fin de la route. Tu vois, à gauche là. Voilà. Et je crois que tu peux passer sur ce chemin-là et après t'arrives sous le pont en fait. Comme ça, on arrive directement aux vignes. Sans freiner au stop. Là, tu vas passer à gauche, tu vois, tu vas passer sous le pont. Alors, elle a dû se garer sur le parking de l'autre côté, mais. Ben, je me garer ici hein. Ouais. Pour récolter les vignes, après les mettre à l'arrière, ça va être correct. Ouais, attends, on va aller. Ouais, non, il est juste là en fait. Ok. Ouais, c'est quoi tout ce monde là? Donc là, vous nous avez demandé de venir, enfin, vous et moi. Mais non, mais je trouve ça bizarre en fait pour les caméras et tout. Ouais. Et par contre, pourquoi il y a ces deux personnes du coup qui sont là? Bah, vous m'avez demandé de vous la porter avec les preuves, donc c'est ce que j'ai fait.
On va faire une copie de la vidéo. Ouais, bah donne la file du coup. Bonjour. Voici une copie de la vidéo. Oui, et vous? Ça va, ça va. Bah, pour la vidéo, de toute façon, on la regardera au... Phil, elle la regardera au gouvernement, de toute façon. Moi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de trucage et même... Bah, ça, de toute façon, on ira vérifier. Parce que votre caméra, on trouve ça un peu déjà bizarre. On a pensé au GoPro, mais les GoPro, en général, je pense pas que vous avez eu The News à côté d'eux. Si. Ah, mais les GoPro, on en a sur nous. Ouais, ouais. Bizarrement. Ouais, mais vous étiez quand même toute seule. Donc. Ouais, mais sur nos équipements, on a quand même des GoPro. Ouais, non, vous me prenez pas pour. En tout cas, moi j'ai apporté la. Vous me prenez pas pour une bouffonne. Vous me prenez pas pour une bouffonne. Moi je suis. Pour une bouffonne, madame. Je vous insulte. Non, mais c'est. Je suis pompier aussi. Et des fois, nous aussi, on a des GoPro, mais on n'a pas les GoPro tout le temps à l'intervention. Surtout que c'est des trucs qui sont accrochés aux tenues. Et c'est quand même des trucs qui prennent quand même de l'ampleur. En plus, avec tout l'équipement. Surtout qu'en plus vous avez plus d'équipement que nous en tant que pompier. Donc je pense pas que vous avez une GoPro comme par hasard au moment des effets. Enfin je sais pas. Bon. Et du coup mon sujet, du coup j'ai rapporté sa fille, enfin ma cousine. Et elle peut très bien avouer comme quoi son père était dangereux. Et elle me l'avait même dit comme quoi. Il était un peu dangereux en ce moment. Oui, mais vu les antécédents de toute façon que vous avez eu au niveau du poste de police, et que cette vitesse qu'on est dangereuse, en tant que soin, on peut pas vous garder. Ça, c'est clair et net. Rien que pour ça. Même si vous êtes innocenté pour ce qui s'est passé au camp des altruistes, on pourra pas vous remettre au SWAT juste parce que pour vous êtes conduite dangereuse. Vous avez eu une conduite dangereuse avec votre véhicule personnel. Même si vous étiez en service, ça compte quand même. Vous êtes quand même des forces de l'ordre. Vous êtes quand même censé. Ah, c'est pas pour rentrer dans le SWAT, c'est juste pour vous montrer comme quoi j'avais raison. Ouais, mais ça, on ira vérifier. De toute façon, Phil regardera lui-même là, au gouvernement tout à l'heure. Ok, vous pouvez regarder la vidéo, il n'y a pas de souci. La vidéo, mais on ira aussi voir au camp des altruistes s'il n'y a pas eu de caméra ou quoi que ce soit. Parce qu'on trouve ça bizarre. Bah, il y en a sur les tours en fait, j'en ai vu, hein, il y en a sur les tours. J'ai même allé les récupérer et on a tout assemblé, et on a vu la vidéo, on a vu comme quoi il était armé. Même moi j'ai vu, j'ai pas hésité, il avait un lance-grenade, vous voyez les mini lance-grenade, un peu comme un pistolet. Oui. Il avait ça, il avait une tenue de. Ultra blindé, enfin je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas civil. Voilà. Oui. Et cette personne, il se présente là, qui parle pas. Bah c'est la, justement sa fille, la chef du SWAT. Pour montrer qu'en quoi, si elle se déplace pour venir jusqu'ici, c'est pas pour rien. Et en fait, juste pour information, j'ai vérifié les effectifs. Il y avait bien et bien un agent en service hein, quand vous avez fait le truc. Ah bah pour moi ça répondait pas et même de toute façon j'arrivais pas, il était beaucoup trop loin. Hein. Moi j'étais pas étonné madame, ça brouillait un peu. Donc je vous assure, je pouvais prévenir personne, j'étais la seule. En tout cas dans ma section, même si comme vous dites il y avait une personne qui était en KBJ ou je crois MS ou pas. Je pouvais même pas la... la contacter ou le contacter car elle était beaucoup trop loin et puis même de toute façon j'étais même pas au courant. J'ai voulu contacter ma collègue Zoé qui était dans le SWAT toujours, mais elle était pas là. Je voulais lui dire que c'était son père et qu'il avait complètement pété un câble, mais elle était pas là. Ouais, mais je crois qu'il y avait eu un agent de la CIA, donc ça s'est passé, je crois, il me semble. Non.
Il n'y avait personne. Ah, en tout cas, il y Il en y avait avait un que d'actif. moi. Il y en avait un d'actif, c'est Bah, sûr et moi, certain. en tout cas, ça répondait pas. Hein. Je parlais Ouais, dans mais la radio. s'il répondait pas, et bah, il aura une sanction. J'ai regardé dans les effectifs, il y a au moins un agent de défense zone qui est actif. En tout cas, j'ai vu dans les trucs. Après, ça n'empêche que vous avez fait quand même une erreur. C'est que vous avez laissé le cadavre. Hello? Oui, excuse-moi, j'avais bafouillé un peu. Excuse-moi. Donc, en gros, aussi, je Ouais, devais mais parler d'une histoire. Bah, par contre, ça n'explique pas. pardon. Attends, juste une petite parenthèse. Ça n'explique toujours pas votre acte que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez laissé quand même le cadavre en bas de la montagne, qui a été d'ailleurs retrouvé En dans un fait, je sale état. pouvais pas y aller, c'était inaccessible, madame. Bah, vous m'expliquez pourquoi vous faites Toute la la pièce était morgue a quand inaccessible. même clairement été là-bas assez facilement. Donc, si la morgue a été facilement récupéré le cadavre, vous aurez pu très bien Moi, faire le j'étais même pas nécessaire au courant pour. que la morgue était allée là-bas. Je peux vous mentir que c'est ma soeur qui avait été là-bas, donc. Et du coup, le corps, vous l'avez trouvé comment? Enfin, Alors, il était habillé comment? moi je sais pas. Je sais pas Parce parce que que vous me dites que le corps a été retrouvé, mais vous avez bien examiné le corps. Bah, Il moi on m'a était... Il dit. avait bien Moi des munitions sur lui, une protection ultra lourde illégale. dans le rapport que j'ai eu, on m'a dit que le corps était dans un sale état, mais en même temps, bon, s'il était resté. Puis un certain temps à l'air libre, c'est vrai qu'il doit être En tout dans un cas, moi, sale si état. je pouvais y aller à pied, j'y serais allé directement. Sachez-le, peut-être que j'ai fait des conneries dans la vie, ça arrive à tout le monde, mais là, sur le Oui, non, coup, je vous le enfin, dis non, directement. non, ce genre de conneries, Bon, non, non, non. d'accord. Non, mais madame, je veux juste finir de parler, arrêtez de me couper la parole. C'est normal, moi, je vous parle correctement, je vous respecte, essayez de juste me laisser parler. J'ai beau faire des conneries, mais j'essaye justement de me racheter pour un travail fixe, quoi. Enfin, parce que j'aimerais retourner au SWAT, c'est compréhensible. Et je vous dis sincèrement, si la prochaine fois je fais une connerie, sincèrement, vous me mettez en prison. Jusque là, comme quoi j'ai toutes les preuves, j'ai Ouais, toutes les cartes en main par contre, et est-ce que j'essaie juste de retrouver vous êtes mon au courant boulot, comme que. quoi j'aimais. Vous êtes au courant qu'aux yeux du gouvernement, aussi, vous avez fait de l'outrage au gouvernement aussi. Vous avez vu comment vous avez Oui, parlé excusez. au poste de police? Mais c'était sur le coup de l'énervement, madame. Excusez-moi, on m'avait traité de pute avant par un agent de police. Que moi, j'aime pas les remarques sexistes, je suis désolé. C'est, vous savez très bien que moi, quand je m'énerve, je Oui. suis vraiment désolé. Sauf que. Je suis désolé. J'aurais dire C'était une sur le petite coup de chose. l'énervement. Parce que. Moi non plus, j'aime pas trop les remarques, etc. Est-ce que vous êtes au courant qu'avec tout ce que vous avez fait, vous avez une réputation aussi. Bon, j'ai un peu de respect pour ces personnes aussi qui essaient de se battre pour avoir de l'argent. Une réputation de prostituée. Je suis pas une prostituée, madame. Oui, mais enfin, les citoyens. Je peux savoir pourquoi. Non, mais Non, attendez, c'est quoi parce c'est quoi ça? qu'apparemment, vous avez essayé de faire les avances à certains policiers. Non. Bah, c'était mon mari en fait, madame. Oui, mais il y Le a. capitaine Nel, c'est mon mari. Bonjour. Enfin, c'était parce que. Je sais pas pourquoi il m'a traité de pute dans la voiture, là, il s'est barré. Ouais. Et par contre, la Parce que. remarque comme quoi je suis une prostituée, non, moi je n'accepte pas. Bah. C'était pour Moi, ça tout que. ce qui est relations Parce que. sexuelles, c'est à la maison, c'est pas. Parce que il me semble qu'en plus, c'est pas que le seul agent qui vous a insulté. Il me semble que vous êtes déjà venu vers moi. Merci. Pour ça. Pardon? Il me semble que vous avez déjà dit ce genre de choses. Il me semble que c'est pas la première fois que vous faites insulter comme ça. Bah oui, j'en ai Merde! marre, moi. Oh merde, 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 Oh, merde, merde, merde! merde! Attendez. Ouais. Putain. Non, désolé. J'ai des spasmes ces temps-ci, je suis Non, mais vous stressé. comprenez comme quoi, Prenez ce qui est par terre. moi, vous pouvez. Non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, Non, c'est mais bon. prenez quand même. Ok, bah j'ai pris. Ouais, d'accord, ok.
Bon, vous inquiétez pas, Jean. Vous voyez, comme quoi, moi, sérieux, je suis. Enfin, quand je suis sérieuse, pardon, je suis très sérieuse dans le domaine. Vous pouvez voir comme quoi, en tant que SWAT, on a réussi, en tant... enfin, j'ai réussi à retrouver, avec votre. Enfin, c'était avec la CIA, je crois. On a réussi à retrouver Monsieur Filarcin qui a été enlevé du gouvernement quand j'étais en train de le protéger avec une centaine de membres de l'Alliance qui essayaient de nous tuer. Je me suis battu toutes mes forces pour justement pour le sauver, mais il a été kidnappé malheureusement. Ils étaient au moins 200, 300 à nous tirer dessus. On était. Vous pouvez demander à Monsieur Phil. Hein, je lui ai dit si je Supportons meurs, pas, c'est vrai. je lui ai dit si je meurs pour vous, sachez que c'était un honneur de vous servir et au sein du gouvernement. Et puis après, du coup, bah, j'étais dans le coma et je me suis réveillé complètement dehors. Je sais pas pourquoi, on a dû me mettre dehors à cause de l'hôpital. Du coup, je me suis rappelé de Monsieur Phil et du coup, c'est pour ça que j'ai directement contacté Wisdom News pour qu'ils informent le pays, quoi. Pourquoi le vice-président a été enlevé. Ouais, ce que moi, bon, un truc que j'ai remarqué aussi avec les Wizard News, c'est que ils insultent un petit beaucoup trop les forces de l'ordre, mais bon. Mais du coup, comme quoi, vous voyez que comme quoi, moi, quand je suis sérieuse dans le domaine de tout ce qui est le SWAT, c'est je peux très bien être sérieuse. Et c'est pour ça que je vous demande de me laisser une dernière chance. Et parce que Bah on en là, j'ai les reparlera. preuves. On va regarder votre. Phil regardera lui-même. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, vous pouvez regarder les deux, hein, vous deux. Non, il n'y a pas de souci. Non, Est-ce parce que vous êtes sûr? que Phil, il est de base policier, donc. Ah oui, Voilà. ok. Voilà. En tout cas, je peux vous faire la description. Hein. Bah, il avait une tenue. Ah, les protections ultra lourdes qu'on a mis à nous au SWAT. Je ne sais pas comment il se les procurait, sans doute dans un autre pays par les forces Ouais, spéciales. par contre, Enfin, dans les juste forces spéciales une et. petite question, si. Il avait une arme. Si, parce que on en reparlera, moi, et Phil, au gouvernement, évidemment, mais. Si je vous remets votre chance au SWAT, il va falloir que vous nous permettiez aussi de montrer l'exemple au niveau du code de la route, etc. Parce que vous avez aussi eu pas mal d'amendes au niveau Oui, ça c'est vrai. du code de la route, vous avez pas mal de choses. Et être dans les forces de l'ordre, que ce soit comme vie, ou même moi, hein. Même en tant que pompier, bon après, je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir que même moi des fois, bon, quand je vois qu'il y a des feux qui sont un peu longs, bon, je les passe. Mais vous avez plus que grillé que respecté, quoi. On entend des tirs là, par contre, quoi. Ouais. Alexandre. Victoria, qu'est-ce que tu fais? Viens. Victoria? Ouais. Je viens d'avoir mon chauffeur à la radio, il s'est fait tirer dessus. On a entendu les tirs Il par s'est là-bas. fait tirer dessus, lui. Les présidents à SWAT, ben non, pas vraiment. Bon. Merde, j'ai fait ton rôle, je viens de ramasser une arme. Oh, on a un corps ici. On a un Oh non, corps là. il l'écrase. Attendez, j'appelle le MMS. De quoi? Parlez. Excusez-moi. On a deux voitures accidentées. Il est où le monsieur Non. qui s'est fait tirer dessus? Je sais pas. Ici, il y a un chargeur avec une Ouais, j'ai clé. récupéré. Tiens, il est où? Y a personne. Alors, ouais, il y Il a n'y a une personne limousine dans la qui est là. limousine. Ah, madame, vous allez bien? Putain, mais roule-moi vite, toi, tête de con! Ok, on a. Quoi? Qu'est-ce qu'il me voulait, lui? Ouais, par contre, Bloquer la route. il est parti.
Bon, faut oh, par contre, là, j'ai entendu une explosion, là. Ouais. Je vous conseille de partir d'un coup. C'est une mauvaise idée d'être ici. Vous voulez qu'on aille au gouvernement ou pas? Tombe dans le véhicule. Ouais. Bon, de toute façon, j'en ai récolté un petit peu de des lignes en passage. Quand je suis descendu du véhicule. Attends. Okay. Attends, je mets ce que j'ai déjà sur moi dans le truc. What? C'est. Attends, on va aller au gouvernement. Ouais. Attends, ils sont là, attends, arrête-toi. Merde. Pourquoi ils sont énormes? Vous gardez une distance de sécurité vers cette dame, s'il vous plaît. Ouais, bah après, on va pas lui faire du mal, hein. C'est des amis. C'est pas grave, pour sa sécurité. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais si, mais c'est quoi là? Pourquoi ça a tiré? C'est pas moi, j'ai entendu une explosion, je sais pas. Aussi, j'ai entendu une explosion. C'est... Il y a un Lopez, non, c'est un Lopez qui m'a tiré dessus. Ah. Et ça va, vous? Ah. Bah, il m'a raté, mais. Lui, d'accord. Je l'ai pas raté, quoi. Ok. Du coup, vous voulez que je vous donne la vidéo? Vous voulez que je donne la vidéo? Il est boosté, madame. Victor a donné du coup à... File-le déjà. Ok. Bah, regardez-la plusieurs fois, histoire d'être sûr, mais en tout cas, moi, je suis sûr et certain. Je vous attends, madame. Il n'y a pas de... Victoria, un message après. Oui. Madame Victoria, okay, j'attends votre véhicule. J'espère que la réponse soit positive. Bon, on va voir. Après, moi, je vous conseille de repasser à l'auto-école et de pour apprendre le code de la route, parce que si vous... Voilà. Ne vous inquiétez pas, je le connais, faites-moi confiance. Oui, bah, parce que si on vous a fait confiance et vous avez fait de la merde. Victoria. Bon allez, nous on va y aller. Ouais. Hop. On va faire ça pour l'entreprise du coup. Donc on va directement ici. Oh. Ouais, bon, du coup, on fait quoi, du coup? Enfin, je parle d'eux, du coup, parce que... C'est un petit peu délicat, quoi. Ouais. T'es prêt pour un peu de hors-piste? Ouais, c'est t'es toujours un peu taré, toi. Wouh. Bah, après, c'est vrai qu'on manque un petit peu de force de l'ordre. Wouh. Ouch. Pour toi, t'es un peu plus résistant que prévu. Hein, c'est vrai qu'on manque un petit peu de force de l'ordre. Ouais. Mais bon, je pense que... Je sais pas ce que t'en penses, mais... Je pense que c'est... On ferait mieux de... Enfin, là, on va faire le truc, là, du business. Et après, il faudrait qu'on y aille, je pense, ou vérifier ou... Voir si c'était vraiment accessible. Ouais.
on est proche, maçon, on peut y aller. Bah c'est quoi, c'est toi qui vois, si tu peux... Parce que je crois que toi, c'est... T'as pas d'argent, donc on s'en va, donc... Ouais. Moi je pense que. Après, tu me dis ce que t'en penses. Moi je pense qu'on. Vu qu'on manque un peu de force de l'ordre, il faudrait qu'on. On pourrait lui donner une chance. Il faut d'abord qu'on aille voir le Oui, truc au camp des Sertruis, donc en bas. Donc, je crois savoir où à peu près où avait été retrouvé. Hein. Je sais qu'il y avait une. On m'a dit qu'il y avait une peinture. Une peinture et un feu en dessous, en fait. bah. Après, c'est vrai que moi, je serais prêt à lui donner une chance parce que. Ouais, c'est ce que je dis. Mais il C'est faudra pas quand même mal, qu'on mais. vérifie, quand même. Parce qu'il a dit que c'est pas accessible, mais je trouve ça bizarre que la morgue... Moi, parce que moi, j'ai eu l'information, hein. Moi, je sais pas comment il était le cadavre. On m'a demandé comment il était le cadavre. Moi, je sais pas. On m'a dit qu'il était dans un sale état, retrouvé en dessous. En dessous le camp des nudistes, donc, enfin, les altruistes. Près d'un feu, près d'une peinture. Après, si moi j'analyse. Si. Elle dit que c'est pas. Moi, la question que je me pose surtout, c'est surtout ça, c'est. Si ça n'a pas été un actif selon elle, pourquoi Enfin, si. Pourquoi la morgue a réussi à guérir? Oula! Parce qu'en plus, surtout que souvent la morgue, c'est pas n'importe quoi qu'ils ont comme véhicule. Donc c'est quand même des véhicules qui sont assez gros. Toi, t'en penses quoi, rien de. Rien de ça, quoi. Le fait que la morgue a été, que elle, c'était pas accessible. Bah, peut-être qu'il faisait noir et que. Pas c'était la nuit ou le jour, mais. C'était la nuit, peut-être qu'on voyait pas bien en bas de la montagne, je sais pas. Moi, je pense surtout qu'elle a éliminé la personne et qu'elle s'est barrée. Mais bon. Parce C'est que possible aussi, mais. si je me souviens bien, autour des camps des Astruis, il y a quand même des chemins. Ouais. Mais il y Donc. a quand même certaines places où c'est vraiment très. C'est quoi cette route ici? Ouais, c'est chelou. Moi, c'est souvent je tourne à gauche ou je tourne un peu plus loin, tu vois. Merde, non, c'est pas ici. Continue sous moi. Ok. Par contre, je suis en train de me dire qu'il faut que je prenne mon véhicule personnel parce que j'ai un véhicule qui est dans l'entreprise. Je sais pas ce qu'il fout là. Enfin bref. Je pense que. Ouais, non, la voiture c'est quand même. Une forme du stand, donc je pense qu'on va prendre la mienne. Tu vas prendre le remorquage et on ira directement là-bas. Bon, ma voiture, c'est pas une tour, hein, tout terrain, mais disons que ma forme du stand est quand même beaucoup plus costaud que la tienne, quoi. Ouais. Après, je pourrais prendre ma Sultan et.
Oui, mais Sultan, quand même, ta On voiture, va elle, juste prendre même, une voiture. même Sultan. Non, enfin, je pense qu'on va déposer le Ah, véhicule, t'inquiète. on va prendre mon véhicule personnel, on va prendre le remorquage et on ira du côté de Paetome. Comme ça, moi, je te suis avec mon véhicule et comme ça, on trace la main directement pour vérifier. Ouais. Non, attends, je refoute le véhicule au garage du coup. Tu veux bien enlever les deux véhicules qui sont sur la station essence, s'il te plaît?